Salut mon petit pote, c'est Romu. Alors aujourd'hui, petite vidéo, on va revenir sur une console. Une console que j'adore, qui est la Nintendo GameCube. Voilà. Alors dans cette vidéo, je vais te présenter des petits accessoires. Je vais t'expliquer un petit peu comment tu peux jouer avec une Nintendo GameCube en 2023 pour pas très cher. Hein, pour pas très cher. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, avoir une Nintendo GameCube et avoir quelques jeux, c'est bien, mais quand tu veux des gros titres. Ben, tu laisses un rein et puis surtout tu laisses un œil. Hein, parce que quand tu regardes les prix, t'as la rétine de l'œil qui saigne. Alors, j'ai vu beaucoup, beaucoup de personnes hein, t'expliquer comment faire pour jouer avec une unité de GameCube, comment la hacker, comment pistache et chocolat, tu vois. Pistache et chocolat, ouais. Sauf que ces gens, malheureusement, ils te montrent un jeu, mais ils testent pas tous les jeux où ils en lancent. Et puis ils te disent, ouais, ça fonctionne. Sauf qu'il y a beaucoup de choses à savoir quand tu utilises tout simplement, on dira la méthode la plus simple pour utiliser ta Nintendo GameCube sans te ruiner en 2023. Alors, pour bien faire, pour pas te ruiner en 2023, si tu veux jouer avec des jeux Nintendo GameCube sans te ruiner, il faudra bien sûr un jeu. Alors, la liste des jeux, tu regardes dans Google, hein, tu tapes hack sans puce, et puis tu verras les jeux qu'il y a. Alors de mémoire, t'as Splinter Cell, t'as un Zelda ou deux Zelda, t'as Mario Sunshine, je crois que t'as 7 ou 8 jeux qui te permettent tout simplement d'utiliser, on dira, un cheat exploit, voilà, moi j'appelle ça comme ça, ou un hack, comme t'as envie, en passant tout simplement par une memory card, car à l'intérieur il y a des sauvegardes corrompues. En fin de compte, tu mets ton CD du jeu, ensuite il te faut absolument. Pour utiliser cette fameuse méthode sans poser de puce dans ta GameCube, deux accessoires. Il te faut une memory card avec les fameuses sauvegardes corrompues. Et bien sûr, il te faut le petit adaptateur que tu mets soit en dessous de ta console, comme ça, ou sinon, tu en as qui sont plus faciles et moi je trouve plus facile à utiliser. C'est ce genre de truc, tu vois. Tu mets ta carte SD. Ça reprend exactement le même factory qu'une carte SD mémoire classique. Ça coûte 8 balles sur Amazon, donc faut pas, même pas s'emmerder. Le problème de celui-là, c'est que à chaque fois que tu veux rajouter des jeux, il faut que tu enlèves le cache, il faut que tu enlèves ça, que tu récupères la carte SD. C'est pas très très pratique. Ça fait le job, hein. C'est très très cool parce que tu le vois pas et voilà. Mais bon, moi personnellement, je préfère ce genre de truc. Voilà. Donc ça coûte 8 balles. Et bien sûr, il te faudra une carte SD pour. Bah, tout simplement mettre tes ISO sur ta Nintendo GameCube. Voilà. Alors, une fois que tu as ton CD, hein, ton CD qui te permet tout simplement de lancer ce fameux hack, tu vas aller tout simplement récupérer des sauvegardes qui sont corrompues tout simplement sur cette memory card. Et ensuite, tu vas tout simplement accéder, on dira, à ta carte SD ou tu auras fait bien sûr, ou tu peux même l'acheter. Il y en a qui les vendent hein. 64 gigas 50 euros. Pourquoi pas? Tant qu'à voir qu'une carte SD de 64 gigas ça vaut que dalle. Et puis le logiciel dessus, ça coûte mes couilles quoi. Il met même pas de jeu, hein. Il te met juste ce switch et puis il te dit c'est 50 balles la carte SD de 64 gigas. Enfin bon, voilà. Vive la carotte en 2023. Tant qu'à savoir que Switch, tu le trouves sur Internet, hein, puis tu formates ta carte SD en FAT32, tu dézippes tout à la racine, et puis basta point barre, ta carte SD est prête, et puis après, il te reste plus qu'à rajouter tes ISO dans le dossier jeu, et puis basta point barre. Alors, tu as cette fameuse manip que je t'ai montrée là, avec la memory card, le petit adaptateur, ensuite, tu passes sur ton jeu. Tu charges la sauvegarde corrompue, la console reboot, et là, tu arrives sur l'interface Switch. Le problème de faire cette chose, c'est bien, parce que déjà, premièrement, tu modifies pas ta console. Ta console, elle est d'origine. Elle reste d'origine, et tu peux jouer avec tout simplement des jeux. Hein. Mais il y a un problème avec ce truc-là, c'est qu'à chaque fois, bah, faut mettre le CD, faut enlever le CD. C'est la merde. Voilà. Ensuite, tu as une deuxième solution, c'est tout simplement d'avoir une console, on dira hackée. Alors moi je vais pas parler de la puce Xeno parce que pour moi la puce Xeno ça sert strictement à rien la puce Xeno. La puce Xeno ça te permet tout simplement de dézoner ta console. Et ensuite tu as un CD qui est vendu avec cette fameuse puce Xeno où dessus tu as la chose qui te permet tout simplement de booter sur Switch. Ça t'évite de passer par la carte, la memory card. Donc,
C'est un peu, on dira, la facilité qu'il y avait quand il n'y avait pas encore le fameux hack du Picoboot. Tu as aussi la possibilité de passer aussi avec le CD, je sais plus, c'est le free truc, là, un truc qui ressemble à l'Action Replay. Tu mets ton CD, pouf, tu lui dis d'aller booter sur Switch, et puis il va aller sur la carte, et puis il va aller récupérer tout simplement les informations pour booter sur Switch. T'as ça aussi qui te permet tout simplement de pas modifier ta console, t'as même pas besoin de poser de puce ou quoi que ce soit. Tu as la puce Xeno, comme je t'ai dit, la puce Xeno, ça passe tout simplement directement la sécurité, ça va récupérer tout simplement les informations sur la carte SD, tu prends un ancêtre ISO. Ensuite, tu as la fameuse version avec les GameCube avec un Picoboot à l'intérieur. Alors le Picoboot, c'est un Pico, tout simplement, où ils ont injecté un logiciel et quand tu démarres ta console, ça te permet directement soit de booter sur l'interface classique de la GameCube ou de booter directement sur le Pico. Le Pico boot et ensuite transfère tout ce qu'il faut, tout simplement arriver sur l'interface Switch. Moi, c'est plus simple que de t'emmerder à aller mettre ta memory card, ton jeu ou quoi que ce soit. Voilà. Alors une console qui a un Pico boot, tu peux mettre tes jeux dedans, il fonctionne. Si par contre ta GameCube elle est malade, c'est-à-dire que le lecteur bloc optique il est HS, bah, malheureusement il faudra que tu passes absolument par un Pico boot ou sinon il faudra que tu changes le lecteur. Lecteur CD, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est le mieux? Ben moi, personnellement, j'ai commencé avec la fameuse, on dira, version Wish. C'est pour moi cette version Wish, ça. J'ai acheté Mario Sunshine, j'ai acheté la carte, memory card, le dongle en dessous, là, le truc rouge, et une carte SD pour 50 balles. 50 balles, ben, je l'ai senti passer. Donc à savoir qu'une carte SD 64Go, le dongle, il vaut 1€ sur Alibaba. Et la memory card, tu la trouves à 5 balles, toute faite sur eBay. Et lui, il la vend 15 balles. Hein, la memory card. Qu'il achète sur Alibaba à 2€. 2€, même pas. 1€, 1€, ouais, 1€ la memory card. Donc le bénéf, c'est x50. Oh bon, c'est pas grave, c'est normal. On est en France, hein, c'est la baisse. Donc voilà. Donc moi, derrière, j'ai... regarder pour me prendre notre Nintendo GameCube avec tout simplement un Picoboot. Et c'est là que j'ai découvert la boutique Neo Dido. Enfin, je crois que c'est comme ça. Neo Show. Enfin, je sais même plus c'est quoi le nom de sa boutique. Je vais pas le dire parce que sinon j'ai encore me faire engueuler que j'ai dit que des conneries. Donc, j'ai acheté une Nintendo GameCube avec un Picoboot. Voilà. Et c'est la console que j'utilise maintenant. Alors, je vais te la montrer vite fait. Voilà. C'est une Nintendo GameCube custom. À l'intérieur, il y a un Picoboot. Et tu vois, elle est custom en mode Zelda. Oh. Devant, bien sûr, tu as... Ma carte SD qui est là. Là, il y a notre memory card. Pourquoi? Je vais t'expliquer. Et puis là, tu as bien sûr le fameux truc pour les manettes wireless, sans fil, les Waveburn, qui coûtent une blinde. Et que, voilà. Alors, pourquoi j'ai une memory card? Hein, c'est tout simplement, il y a des fois, sous Switch, les sauvegardes, tu peux pas les faire. Donc, tu es obligé de passer tout simplement par une memory card. Dans la console, donc une petite ça fera l'affaire. Sinon tu peux aussi avec Switch émuler, hein, on dira faux sauvegarde qui reste dans la carte SD. Alors une fois que t'as ta GameCube, que tu passes pour la solution que tu veux, on dira tu veux pas modifier ta GameCube, bah tu prends une memory card, hein, une memory card que tu mets dans ta console avec les sauvegardes corrompues, tu mets ton CD, paf, tu bootes sur la sauvegarde, la console redémarre, t'arrives sur Switch, t'as mis tes ISO à l'intérieur, t'as fait ta carte SD comme un grand. T'es cool, t'es bien, tu joues sur ta télé. Mais malheureusement, on est en 2023, et les télés, en 2023, elles n'ont plus de Péritel. Donc, derrière, il te faut un SCART. Alors, généralement, la Nintendo GameCube, elle a la sortie à l'arrière, et puis... ces fameuses fils RCA qui rejoignent ça, qui après tu mets ça sur une Péritel. Si tu veux pas t'emmerder, tu veux jouer tout simplement, on dira aussi avec une qualité d'image qui sera pas ouf, mais que tu veux une sortie HDMI sur ta Nintendo GameCube. Tu as plein de dongles à la con qui valent pas très très cher, mais que la qualité d'image n'est pas folichon. Alors je vais t'en présenter deux, j'ai à peu près testé tout ce qu'il y a sur le marché. Tu as ce dongle-là qui coûte dans les 20 balles, puis tu as ce dongle-là qui coûte 10 balles,
qui est en vente sur Amazon. Moi, je te conseille celui-là parce que déjà, celui-là, il est plus petit. C'est la même chose que celui-là. Sauf que tu vois, tu regardes la taille, t'es mort derrière. Hein. Celui-là, je te le conseille. Il vaut un peu plus cher, mais il est plus petit. En plus, celui-là, tu peux le mettre sur quasiment toutes tes consoles. Hein. Nintendo 64, Super Famicom, GameCube. La seule console que tu ne pourras pas brancher ce dongle pour avoir une sortie en HDMI, c'est la NES. Parce que la NES, voilà. Alors ensuite, si tu veux vraiment le top du top au niveau de la qualité d'image, ben parce que ça se branche sur la sortie classique de tes consoles. Donc à savoir aussi, peut-être que tu sais pas, la Nintendo GameCube, il y a eu deux versions. Il y a eu la DOL 01 et la DOL 02. Alors les DOL 02, malheureusement, ils n'ont pas de sortie digitale. Donc il faudra absolument une console de première génération, c'est-à-dire la DOL 01, si tu veux mettre ce genre de petit adaptateur. Alors je vais te présenter ce petit adaptateur. Voilà. Tout simplement que tu branches sur la sortie digitale de la GameCube qui sort du 480p et que de l'autre côté bah t'es sur une sortie classique, donc c'est un signal de merde. Voilà. C'est l'analogique, ça c'est du digital, donc t'auras une meilleure image avec ça qu'avec l'autre dongle. De toute façon, je vous l'ai déjà montré, je vous l'ai déjà prouvé par A plus B. Donc voilà, ce petit dongle tu le trouves en moyenne à entre 50 et 70 balles sur Alibaba. Voilà. Donc moi, je pense à peu près avoir fait le tour de tout ce que tu peux avoir pour jouer avec une Nintendo GameCube en 2023. Pour tout ce qui est manette, tu as les manettes classiques avec le fil. Tu as les Wiveburn que tu trouves à des prix complètement débiles. Je te déconseille d'aller acheter une Wiveburn en 2023 quand tu vois les prix de certains enculés à plus de 100 balles, 150 balles la manette, voire 100 balles en loose. Je te déconseille. Je te conseille fortement d'aller acheter une manette, on dira, compatible sur Amazon avec des piles qui coûtent 25 balles. Elle te fera exactement la même chose qu'une Wiveburn. La qualité, c'est pas ouf, mais ça fait le job. Donc, en 2023, combien ça coûte pour jouer avec une Nintendo GameCube? Alors, si tu as déjà la Nintendo GameCube, pas besoin d'acheter, on dira, de GameCube. T'as la manette, le secteur et puis la sortie RCA, bah, t'es des merdes. Hein. Tu joues sur ta télé, s'il y a une Péritel, tant mieux pour toi. Mais disons, tu as pas de GameCube. Une GameCube, c'est à peu près. Ça dépend où tu la trouves. En boutique qui vend du rétro, c'est 70 balles une unité de GameCube. la sauvegarde corrompue, la memory card, c'est en gros 5 balles sur eBay. Le petit dongle rouge là que je t'ai montré, c'est à peu près 1,52€ sur eBay. Et une carte SD toute faite de 64Go, faut compter 15 balles. Voilà. T'as la base. Rien derrière, t'empêche derrière de récupérer ce qu'il y a sur la carte SD de 64 et de mettre ça sur une 256. Tu fais un copier-coller, tu t'emmerdes pas. Bien sûr, tu formates ta carte SD en FAT32. Sinon, une unité de GameCube avec un Pico Boot, ça dépend où t'achètes, mais en moyenne, c'est entre 100 et 150 balles. Ouais. Est-ce que ça vaut le coup d'aller acheter une Nintendo GameCube avec un Pico Boot? C'est à toi de voir. Moi personnellement, je retournerai pas sur une GameCube sans Pico Boot. Ouais. Être sincère avec toi, non. Je reste sur ma Nintendo GameCube avec mon Pico Boot et puis basta, point bas. Voilà. J'ai même ma Stealth Symphonia, je pense peut-être que je vais même la faire Pico Booter parce que bon voilà. Et puis arrive un moment, je pense que j'en garderai qu'une seule de console. Voilà. Est-ce que je vais garder la Stealth Symphonia ou la GameCube Zelda? Je pense que je garderai la Zelda. Voilà. Ou sinon, je fais un truc tout con, je convertis, je prends la coque de Stealth Symphonia et je la bourse sur la Zelda. Puis bah, je fais un transfert et puis je revends l'autre. Je veux pas garder de GameCube que je m'en sers qu'une seule. Voilà, donc, voilà. Et donc, moi, j'ai fait à peu près le tour de tout ce qui était Nintendo GameCube pour jouer en 2023 pour pas trop cher. Hein, si t'as des questions, n'hésite pas dans l'espace commentaire. Si tu n'es pas abonné, tu peux t'abonner et activer la petite cloche. Voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles personnes arrivées sur la chaîne. Et puis tu peux même partager la vidéo sur tes réseaux sociaux. Sur ce, moi je vais te laisser, je vais te souhaiter une très bonne journée et je te dis à plus.